Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où on va rejouer à Formula One 2000 sur la PlayStation. Sauf que nous allons enfin voir ce que ça peut donner si le jeu tourne à vitesse constante. Parce que souvenez-vous, le gros défaut de ce jeu c'était sa framerate. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tenter un truc en mode normal concrètement, pas en mode saccadé. C'était un gros scandale à l'époque. Parce que ce soit la version bêta ou la version finale, quand on était dans certaines parties ou certaines vues, le jeu ramait énormément et ça a gâché totalement l'expérience. Donc on va tester cette fois-ci avec une framerate beaucoup plus élevée et voir si le jeu en vaut encore plus la chandelle que ce n'était le cas à l'époque. On va faire une petite saison, on va faire recommencer bien sûr. Alors donc on a toujours la saison 2000, hein, on va repartir un petit peu sur le jeu. Tous les pilotes de la saison 2000, on va prendre. Alors je me tâte à prendre une équipe de milieu de tableau. Je sais plus avec qui on avait pris. Je crois qu'on avait pris à Rose en 2000 quand on avait fait le championnat. Là j'ai envie de tenter un petit peu autre chose. Alors Williams peut-être pas. Allez, on va essayer de sauver un peu Jordan. Encore une fois. C'est-à-dire à chaque fois on fait que la sauver, bah oui. Pourquoi pas. Hein. Et on va prendre Patrulli cette fois-ci, on va prendre Frenzen. Donc niveau on va mettre en dur. Tant qu'à faire. Alors là le mode pro. On va mettre le mode pro. On va pas mettre la consommation de carburant, on va mettre les pas de panne, pas de dégâts. L'usure des pneus, je sais pas trop. Consommation de carburant, ça serait marrant de tenter ça. On a 16 tours, 8 tours. Par contre, 8 tours, on n'a pas usure de pneus, je crois. Si on peut. Est-ce que je peux mettre avec. Ah, y a pas de consommation de carburant, 8 tours. Par contre, l'usure des pneus est présente. Donc ça pourrait être intéressant de tenter en mode 8 tours. On va faire OK. Et on va du coup faire directement la qualification. Alors au niveau de la stratégie, prévision météo, on a quoi? Alors, apparemment il va faire beau, donc ça va. Les courses en 4 tours, 8 tours ne permettent pas de gérer la consommation et l'usure des pneus. Oui, mais alors du coup ça n'a pas d'intérêt, autant que mettre temps en type de pneus. Bon écoutez, on va faire OK, c'est pas grave. On va faire du coup les qualifications. Et on va lancer le changement du jeu. Alors cette vidéo est la première potentiellement d'une suite de vidéos que vous allez voir dans la chaîne en 2024. Où je ne prends plus la tête avec les interfaces, avec rien du tout. Donc, voilà. À vous, vous aimez, vous aimez pas. En tout cas, je ferai un peu ce que j'ai envie. Donc là, on va voir le classement. On va faire voir le classement, tour chronométré. On va faire un tour chronométré directement. Alors là, il pleut. Et j'ai mis le mode film, ce que je voulais pas faire à la base. Ok. Comment on fait pour changer la vue? Voilà, donc il fait pas beau. On est dans la grisaille. Regardez comme le jeu est fluide, c'est incroyable. Espérons qu'il n'y ait pas trop de bugs. Donc on va faire un tour. Alors il pleut. On est en pneu humide. Donc ça se sent au niveau de l'accélération. Hein, on n'est pas à fond. On aura 12 tours de qualification à tenter. On va en faire un ou deux. Et puis on verra après ce que ça donne. Donc j'ai très envie de revenir un peu en arrière sur ce qui a fait le fondement de la chaîne, le côté assez amateur. Et honnêtement, j'ai envie de revenir à ça, j'ai plus envie de prendre la tête à faire des choses chiadées ou pas. L'important c'est le contenu, c'est pas l'apparat. Il pleut, mais j'ai l'impression que ça impacte beaucoup. On a fait un tour au Invented, on va faire retour au stand. Je crois qu'on peut faire en accéléré. Ah voilà, c'est juste tapis sur rond. On peut faire en accéléré. On a les 107%, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans le jeu.
Alors pour l'instant j'avance à fond, on est à 54 minutes. C'est le moment le plus intéressant du jeu. L'accélération du sang, du temps, pardon. Mazaken, j'ai pas vu encore les autres équipes faire tenter un tour. Donc, potentiellement là on est meilleur mais. Je sais pas si je peux faire encore plus vite au niveau du temps. Allez, ça y est, ça sort un peu. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de voir un peu où ils en sont au niveau du temps. J'ai l'impression que c'est bon pour le moment. Bon, on va faire clore la séance parce que je pense qu'il y aura. Pas d'amélioration. On verra combien on part. On part en bonne position. Ok, parfait. Donc on a fait le meilleur temps de la séance pour une seconde, enfin 9 dixièmes. Bon, ils nous ont bien recollé à Kinen Schumacher. On a à peu près 8 dixièmes, une seconde. Ce qui est plutôt pas mal. On va regarder mon coéquipier, 6e. On n'a pas d'anomalie sur la grille. Verstappen pas mal, 14e sur la Rose. Allez-y, 11e sur la Prost. On rappelle que Prost n'avait pas marqué de points en 2000. Zonta 10e et Villeneuve 9e. Et c'est Button qui a le moins bon temps. Il a été parti 21e en 2000, si je dis pas de bêtises. Et il pleut! Bienvenue sur le superbe circuit de l'Albert Park de Melbourne, sous le soleil bien entendu. Nous sommes ensemble pour assister à la première manche de la saison 2000. Et comme le veut la tradition, c'est le Grand Prix d'Australie qui ouvre. Avant la fin du tour de formation, voyons un peu la composition de la grille de départ. En pôle, Ansaral Frenzen. À ses côtés, Hakkinen. En troisième position. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il dit il va faire beau, mais en fait il fait pas beau, hein, il pleut. En quatrième position, Coulthard dans la deuxième McLaren. En troisième ligne, Rubens Barrichello. À ses côtés, on trouve Jarno Trulli. Alors ce que j'apprécie énormément dans ce jeu, c'est que les Formule 1 ont les 3D qui sont vraiment propres. C'est pas une 3D multipliée par chaque équipe, ce qui était parfois le cas dans les centres de F1. Alors Orban par contre était parti 4e, si j'ai pas de bêtises, sur la grille. Là c'est un petit peu différent. On va faire start. Et on va partir le départ. Oula, oh, le mauvais départ. On s'est fait manger au départ là. Et du coup, 8 tours à faire. Et ouais, cette fluidité plus ou moins extrême par rapport au jeu habituel. Et mine de rien, il faut prendre l'habitude parce que. Ben, l'avantage que ça donnait, même si c'était pas fou. Oh. Ok. Alors là. Là, je me suis fait, mais. Ok, stoppé net, hein, du 0 à 100, enfin du 200 à 0 en 1 millième de seconde. Je disais, l'avantage qu'on avait quand on avait les ralentissements, c'est qu'on avait un peu le temps de voir les choses venir. Là, c'est beaucoup plus, vos fois, beaucoup plus réactif. Et mine de rien, c'est pas chose aisée. Oh, j'ai glissé. Oh, il a vu embarquer. On a les vues extérieures qui sont plutôt bien faites, je me fais déjà attaquer derrière. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas eu besoin de ralentir dans la chicane, ça peut se passer instantanément. Ouais, voilà, attention quand même. J'ai pas mis les dégâts. Y a pas d'usure pneu, pas d'usure gomme, donc bon, bah on fera avec, c'est pas grave. Je pense que s'il y avait eu l'usure des pneus et de la gomme, là on aurait déjà bien massacré les gommes dès l'entame. Et là on est remonté à la 5ème place, notre coéquipier Trulli juste devant. On va prendre plus tard, on va prendre l'intérieur, c'est parfait. Donc on a la Jordan de 2000 qui était en soi une bonne voiture, à une bonne place. Elle faisait partie allègrement du top 4 de la saison. Le seul défaut qu'elle avait, mais c'est ce qui a coûté énormément de points à l'équipe Jordan, c'était bien sûr la fiabilité.
Les Frenzen et Trulli souvent abandonnés alors qu'ils étaient dans les points, voire même avaient des chances de podium. Et ça a fait déringoler l'équipe Jordan qui était à cette époque 3ème au championnat. À la 6ème place, si je dis pas de bêtises. En 2001, les problèmes de fiabilité ont un petit peu été résolus, mais en revanche, la monoplace était moins rapide, sauf en début de saison, par rapport à McLaren, Ferrari et surtout Williams qui avait énormément progressé à cette époque. Là, Williams, c'est le retour. Hein. 98-99, ça va pas. La saison 2000 avec l'arrivée de BMW, c'est certes une saison d'apprentissage, mais Williams avait fait une saison assez intéressante en 2000. Donc là, dans la logique, si je fais pas de bêtises, je peux me battre contre les Ferrari et les McLaren, enfin, suivant les cas. Oh, devant, ça a abandonné, regardez, Hakkinen qui abandonne. Comme en 2000, où les deux McLaren avaient abandonné sous problème mécanique. Et comme en 99, d'ailleurs, où elles avaient aussi toutes les deux abandonné sous problème mécanique. Laissant la victoire à chaque fois à Ferrari. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, on va pas en stratégie de pneu ni rien, puisqu'il n'y a pas d'usure. Donc là, je précise, on n'est pas sur la version finale du jeu. Pour la reconnaître, à part quelques détails graphiques et évidemment l'interface qui est un peu différente par rapport à la version... J'appelle la version finale, mais c'est pas la version finale, j'ai l'impression que c'est une version qui est sortie dans d'autres contrées, qui était un peu moins à jour. Et on pouvait la reconnaître du coup à l'interface, mais aussi on pouvait la reconnaître au fait que les arroses n'étaient pas finies au niveau du skin. J'avais fait une vidéo à l'époque d'ailleurs de comparaison entre les deux versions, vous pouvez la retrouver. Je crois que c'était en mode versus, quelque chose comme ça. Alors ce qui est marrant, c'est que Monxé par exemple, là qui présente le jeu, qui fait du coup la grille de départ, n'intervient pas durant la course. C'est un petit peu dommage, et je crois que si je vais dans les options, ouais, les commentaires je les ai, mais les effets ça marche pas. J'ai enlevé la trajectoire d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais avoir un bon, je sais pas, vu que j'ai pas de dégâts, j'imagine qu'on aura peut-être pas d'avarie. Et pour le coup, juste un spotter qui m'indique un peu comment ça se passe. J'aurais bien aimé avoir Monxé en commentateur. Alors ce jeu est quand même meilleur que son concurrent Formula One 2000, je trouve. C'est-à-dire pour un début pour eSport, eS Games dans la F1, c'était quand même un bon début. Et ce qui est marrant, c'est par exemple en demi-classement, mais que je suis en vue arrière. Moi je suis à vue avant, je l'ai pas. En 2000, Frenzen avait été sorti par Barrichello, si je dis pas de bêtises, alors qu'il jouait la 3ème place. Ok, donc je croise les écarts, je crois que c'est bon. On a même entendu l'hélicoptère au-dessus de nous, ça c'était pas mal. En termes d'audio, c'est quand même plutôt bien rendu.
C'est un jeu qui est beau pour la PlayStation, enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque avec la console 32 bits, mais il est quand même... Il fourmille de détails, il n'y a pas trop de clipping, enfin il y en a pour la PlayStation, mais je veux dire pas tant que ça. Les 3D sont bien rendus, le son il est correct. D'ailleurs je me demande si c'est pas pour ça que la frame rate de la PlayStation elle est aux fraises, à la base. On a fait le meilleur tour en 1.26. J'ai complètement coupé. Voilà, 10 secondes d'avance. Là, vraiment, la pluie n'a pas d'impact. Là, je suis vraiment à fond. Je pense qu'il pleut. La piste est mouillée. Je vois pas de différence avec la version sur le sec. Alors peut-être qu'au niveau de la vitesse maxi, on est plus rapide. Pardon, on est moins rapide que sous la pluie, mais bon. Comme vous pouvez voir, le casque bouge aussi en même temps quand on tourne. Par contre, on peut la prendre vraiment à fond, cette chicane. On n'a pas regardé les réglages qu'on pouvait faire aussi sur la monoplace. La prise en main est bonne, honnêtement. Si on nommait le fait qu'elles ont du mal à tourner, il faut prendre un petit peu d'avance dans le virage. Elle a un grip qui est quand même assez bon. Sachant qu'il n'y a aucune aide activée pour le moment, donc ça pourra pas être plus simulation que ça ne l'est, hormis les dégâts et les avaries. J'ai presque envie de tenter un arrêt au stand pour vous montrer ce que ça donne. Une seconde d'avance, je pense que ça peut se tenter. On va s'arrêter au stand à ce tour-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors si j'appuie sur celle-là, je peux voir l'état de la voiture, en haut à droite. Alors on va rentrer au stand. Donc, vous voyez, je peux faire un arrêt, stratégie précoce, position actuelle. On va faire OK. Je n'ai pas fait de réparation du carburant. Je suis à 4 secondes, bientôt 5 secondes. Allez, ça repart. Et j'ai même les petits stickers sur les pneus. Comme ça fait penser à Formule 97, hein. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu ça entre temps. Et je ressors devant Schumacher, tout va bien. Et je me souviens, ce détail, on l'avait sur F1 97. Les petits stickers sur les pneus, c'est super bien rendu dans ce jeu aussi. Et au fur et à mesure, les stickers vont s'estomper, plus on va parcourir de distance. Oui, déjà, ils commencent à s'opacifier. Mais on les aura bientôt plus. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est le niveau des IA. Alors qu'on est vraiment en mode difficile normalement. Allez, je vous change la vue. Oula. Oh, le son, là il a un petit peu du mal par contre. Alors quand on est très faible en vitesse de pointe, la monoplace a tendance à beaucoup glisser de l'arrière, donc il faut faire attention. Là ça va être en appui parce qu'on a pas mal de vitesse. Mais on peut se faire avoir aussi à certaines portions.
Quelle course! Tu as gagné, tu es promis. Eh bien, mesdames, Félicitations. la Formule 1 nous a encore une fois réservé un Grand Prix de toute beauté. On peut dire que Frentzen a fait une course superbe ici. Voilà des points qui vont lui faire du bien. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous. On aurait aimé savoir lequel, mais en tout cas, vous soyez présents. Et c'est Hakkinen qui a abandonné, on l'a vu tout à l'heure. Du coup, après la manche, voilà, on a les points, parce que là, c'est bon. J'aime bien parce que y a pas de son, il n'y a pas de bruit, c'est très austère. Et du coup, voilà, bon, aucun temps fort disponible. Ça, c'est marrant aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps fort dans le... pas eu de temps fort dans la course. Et on dit qu'on s'ennuie à l'heure actuelle, mais même en 2000, regardez, il se passait rien. Si je suis au retour, attendez. Je sais plus trop où est le réglage. Tour chronométré. On va refaire continuer. Du coup, on va faire directement les qualifications. On va lancer le Brésil. Et on verra un petit peu ce que ça donne. De toute façon, on va faire une dernière petite course, je pense, maximum. Et puis on s'arrêtera là. C'était vraiment pour vous montrer le jeu dans sa vitesse, on va dire. Normal. Allez, c'est parti. Ce logo eSport qui a bien changé depuis. Je crois qu'ils l'ont changé en 2001. Si je dis pas de bêtises, ce logo eSport. C'est la dernière fois qu'on voit ce logo. Ou 2002. On va faire tour chronométrer directement. On est des fous. Donc bienvenue à Interlagos, circuit plutôt bosselé. Et on le ressent pas mal d'ailleurs dans le jeu, ça tremble de partout. Tu es sûr que le moteur il marche bien? Alors comme on est en début de séance, effectivement il n'y a pas beaucoup de place en sortie, on est les premiers à sortir. Du coup on sera les premiers à faire un chrono. Mais regardez quand même au loin, la distance d'affichage elle est monstrueuse. On est vraiment, on voit l'autre bout du circuit quasiment. Alors Interlagos c'est pas le circuit le plus long hein, parce qu'on est quand même dans une boucle assez fermée, du coup il n'y a pas vraiment d'extrémité, enfin c'est pas un circuit en longueur. Regardez au fond, on voit déjà les bâtiments derrière. Hein. Je sais pas comment ils ont fait pour obtenir une distance d'affichage aussi élevée. Il n'y a quasiment pas de clipping. On va refaire attention. Regardez les freins qui virent au rouge aussi. Ça, c'est un détail toujours convaincant. Pareil quand on va dans l'herbe, les gommes qui se salissent. Alors, chose dommage de ces détails. C'est que ça n'impacte pas le maniement, alors que ça aurait pu complètement être géré par le jeu, c'est dommage. Alors, par contre, le fait d'avoir des montées et des descentes comme ça, je ne vois pas beaucoup les virages suivants. Alors, je connais le circuit, bien sûr, parce qu'à force de rouler dessus, on voit à peu près les trajectoires, mais c'est quand même pas chose aisée. On aura changé de vue d'ailleurs pour l'occasion. De l'avance. Ok, on va faire clore la séance et on va partir en pole position. Parce que là, c'est très bien. Et Schumacher, encore une fois, qui a 2 dixièmes d'écart. J'entends qu'ils ont fait exprès, c'est pas possible. Est-ce qu'on a des petites surprises? Zonta par 6e, le Brésilien de chez BR, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Allez-y, 7e sur la Prost aussi, ça c'est excellent. Est-ce qu'on a des surprises derrière? Bon, à part Buzzen qui est encore toujours loin, je sais pas trop pourquoi. Bon, le reste me semble plutôt cohérent. Dini, 10e, c'est plutôt bien aussi. Il est devant Salo, sur la Sauber. Bonjour à
et à tous, bienvenue à São Paulo pour la deuxième épreuve de la saison de Formule 1, le Grand Prix du Brésil. Après sa superbe victoire lors du dernier Grand Prix, la confiance du talentueux Frentzen doit être à son maximum aujourd'hui. Après l'ouverture de la saison, c'est parti pour la deuxième manche. Hans-Harald Frentzen est en tête du classement des pilotes actuellement et on peut être sûr qu'il fera tout son possible pour creuser un peu plus encore son avance sur ses poursuivants. Les pilotes sont déjà dans le tour de formation, revenons rapidement sur la composition de la grille de départ. En pole, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que Moncey fait une liaison entre le Grand Prix d'avant et d'après par rapport au classement, par rapport au pilote. Donc ça c'est quand même bien, sachant bien fait aussi. En quatrième position, David Coulthard. Cinquième position, Rubens Barrichello. À ses côtés, on trouve Zonta dans la première BAR. Derrière lui, on trouve Jean Alesi dans la première Prost. Allez, on va voir si eux vont manquer des points pendant la course. Attends, même l'effet de chaleur derrière, le départ qui va être donné. Ouais, mauvais départ, regarde la McLaren qui m'a pris sur le côté. Et la Prost aussi devant. Attention au freinage, l'intérieur. Oh, est inter, il s'est écarté, heureusement. Il y a qui ont fait une petite... en tout cas, Barrichello qui a fait un effort pour éviter l'accrochage. Il est beaucoup plus tard que les pilotes devant nous. Oula. Alors c'était pas voulu. On est parti à l'équerre en revenant sur la piste. Attention, on a coup de tarn. Je pense que j'ai dû faire un peu le vide derrière moi. Enfin en tout cas... en emmenant le pilote, je crois que c'était un pilote Ferrari dans le décor. Ah, j'espère qu'on va avoir le classement qui va s'afficher. J'aimerais savoir où se trouve la Prost. Prost qui avait remarqué enfin des points, mais c'était en 2001. Justement à l'occasion de ce Grand Prix d'Interlagos, en finissant 6ème, je crois, si je dis pas une bêtise. Ou 7ème, voilà, j'ai dit peut-être une bêtise par contre. Non, je crois que c'était en 99 qu'il avait marqué des points, pas en 2001. Enfin, pas en 2001 ici. Et on va essayer de rattraper la McLaren devant nous. Je crois qu'une des deux McLaren a eu un problème à la sortie des stands avec la boîte de vitesse. Ça avait permis à un autre pilote de les dépasser. C'est comme ça qu'ils avaient perdu la victoire à Interlagos. Donc on est bien remonté sur Hakkinen. Est-ce qu'il va encore abandonner au premier tour? J'ose même plus me mettre derrière lui. On prend l'aspiration. Ça freine tard pour le pilote Jordan. Je sais, je vois vraiment que je vérifie si on est bien en pro parce que je trouve que les IA sont pas rapides. Enfin, elles le sont plus qu'en tout cas en facile, mais quand même pas incroyable. Thank you.
Il y a deux hélicoptères en même temps, regardez, un à gauche et un qui vient de passer à droite. Alors, vous aurez compris que j'aime beaucoup cette vue. Et je trouve qu'elle est peut-être la plus maniable parce qu'elle est assez. On est proche du sol donc on peut être plus précis. La vue embarquée est certes bien rendue, mais elle offre une visibilité qui est toujours un peu plus compliquée. De toute façon, dans tous les jeux de course en général, les vues intérieures sont beaucoup plus difficiles à utiliser. Ah ouais, en termes de temps. Les secondes c'est cool, c'est grain normalement. Hein. C'est pour ça que le jeu, si vous jouez la version sans amélioration on va dire, des performances, je pense qu'il y a potentiellement le moyen que le jeu, enfin votre course, elle dure en temps réel un bon 33% de plus. J'ai vu le classement que c'était affiché. Bizarrement, il s'affiche que quand on est en marche arrière, en vue arrière, ça je comprends pas trop. En tout cas, ça reste un excellent jeu si vous aimez la F1, en tout cas d'époque. C'est un jeu qui est vraiment accessible. Enfin, c'est sûr que si on active les dégâts, ça va le devenir beaucoup moins d'un coup, parce que les IA sont très très difficiles à prévoir. Alors combien de secondes on a d'avance? J'ai envie de mettre un peu de challenge. Alors c'était pas prévu de passer par la ligne des stands, mais en m'arrêtant au stand à nouveau. Oula, je fais n'importe quoi. Allez, pour le plaisir, on va s'arrêter au stand. Wow! J'ai cru que j'allais me planter. En fait, ça va. Ok, bah c'est bon. Je vais rien changer. Oui, alors on va partir très loin par contre. Bon, on avait beaucoup moins d'avance que Melbourne. J'aurais pas dû m'arrêter là parce qu'il y a vraiment un écart énorme. Bon, la sortie des stands est très très longue. Ouh, on en a rien plus tard, et là Williams qui s'est décalé légèrement. On va avoir deux tours pour tout remonter. Avec des gommes neuves. Je sais pas si ça a un impact, je pense pas, mais. Et Zonta qui est en position de marquer des points. Même si je pense qu'on va lui prendre. Oula!
Bon bah écoutez, tant que ça passe, on va faire ça. Hein. C'est un déplacement totalement illégal. Alors, je pense que là, du coup, on a perdu le podium parce que le temps de rattraper Barrichello. Je pense que Kylian a gagné. Ouais, considère que c'est un excellent résultat parce que pour une journée, ça va. Voilà, c'est un Grand Prix absolument passionnant qui vient de se terminer. Quelle course d'Ansar Alfrenzen, mes amis, l'Allemand était survolté aujourd'hui. Voilà, c'est fini, je vous donne rendez-vous pour le prochain Grand Prix. Du coup, Coulthard, Häkkinen, doublé McLaren. Et malheureusement pour nos Français, enfin ce qu'il en reste, Alési n'est pas dans le top 10. Par contre, on a marqué des points. Irvine, De La Rosa, Verstappen, je pense qu'il a dû abandonner. Ah, voilà, allez-y, c'est le seul qui a abandonné, décidément. Ça me rappelle quelque chose. Bon. Au niveau du classement championnat, on est premier, avec 13 points, 10 points pour Häkkinen. On va s'arrêter là, de toute façon, c'était l'histoire de vous montrer un petit peu ce que donnerait le jeu si il avait été optimisé. Et autant vous dire que ça aurait été encore mieux, en tous les cas, que ça l'était à l'époque. Et le jeu m'a toujours... Mais il est toujours qu'on s'y intéresse. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.